Alors, nous avons Tarsal qui évolue. C'est cool. Et je continue. Ok, il y a nos exaltants aussi qui évoluent. Trop bien. Un linéon. Trop bien. Oh, trop bien. Ok, bon allez, je continue. Alors bonjour à tous, ici Skygalaxa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Ruby Omega. Alors, j'ai, comme vous avez vu, il y a Kirlia qui a évolué et Zigzaton. Objet. On va. Voilà. Du coup. Bah, je vais pas. Ok. Alors, ouais, j'ai mis Dynavolt niveau 20. Par contre, ouais. Je vais remettre l'XP parce que j'avais désactivé. Hop. Activé. Voilà, c'est bon. Alors. Salut Flora, comment vas-tu? En ce moment, je donne un coup de main à mon père. Ça me permet d'observer les Pokémon qui vivent dans les environs. Il m'a raconté qu'il y a très longtemps, la nature était encore plus luxuriante et les Pokémon étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. Mon père et moi, on s'intéresse à ces anciens Pokémon. C'est pour ça qu'on vient travailler ici sur le terrain. D'ailleurs, ça m'a permis de croiser tous les Pokémon sur le chemin menant jusqu'ici et d'en apprendre plus à leur sujet. Bon, tant qu'on y est, je te défie au combat. Montre-moi ce que toi et ton équipe avez appris pendant votre voyage. Alors, vous allez voir, c'est quand même. C'est quand même assez fort, s'il vous plaît. Alors, Bagnon. Alors, on va prendre Galifeu. On prévient. Notre charge. Ok. Pardon, ah non. Je suis paralysée. Est-ce que tout va être bon ou non? Est-ce que ça va être bon? Peut-être que. Ouais. Je vais le monter comme ça. Alors. C'est bon. Le niveau 24. Feinte. Allez. C'est bon, là, Pivot commence aussi à avoir des bonnes attaques. Dynavolt aussi. Lobio. Alors, au sol. On va prendre Feuille, hein. Plante, pardon. C'est bon. Digmarma. On n'a pas pu avoir Pokémon haut. Ouais, allez, Dynavolt. Faut vraiment trouver un Pokémon haut. On voit si on pourrait trouver un. Un Marill ou un Azurill.
de pierre. Pas mal du tout. Ton équipe s'est incroyablement améliorée depuis la dernière fois. Comment dire, je suis soufflée. Attends, nos Pokémon sont fatigués, laisse-moi les soigner. Cool. Pas besoin de retourner dans Pokémon. Et c'est pour toi, un chef sort bleu. Cool. Un chef sort. Pardon. Un cherche-objet, un appareil qui te permet de trouver des objets invincibles à l'ONU. Comment dire, on a l'air ridicule avec ce truc sur la tête, mais je t'assure qu'une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on s'en sépare plus. Je te le conseille vivement. Bon, il faut que j'aille inspecter la route suivante, moi, à plus tard. J'espère que toi aussi tu rencontreras plein de Pokémon. Oui, il y a carrément un vélo. Alors, il n'y a pas Pokémon, mais. Sac. Oui, non, sac. Moi. Alors. Allez, hop. OK. Je ferai un réchauffement. C'est bon. Ah. Comme son Pokémon. Qu'est-ce que j'attends? Bon, ça. Quelle heure? On trouve des Pokémon, non des objets. Ah ouais, faudrait que j'utilise une repousse. Mais là. Pas mal. Ah, tac. Rappel. Je pourrais voir tes Pokémon juste un coup d'œil, s'il te plaît. Ok. Ah. Il veut se battre. Ok. Alors, bah ça tombe bien. Allez, c'est ça. Feuille changer. J'ai un petit problème, il fallait que je commence. Hop. J'ai pas de. Ah, j'avais pas décidé de te rappeler. J'en ai utilisé un, mais. Alors, attendez. Hop.
Pas un rappel à ma pousse. J'ai deviné ta stratégie impossible que je perde. Alors là. Pam pam pam. Pam pam pam. Eh, c'est bon, coup critique. C'est bon, niveau 21. Je n'avais pas prévu ma propre fin. Ah. Pokéball. Ça peut toujours servir. Ah, hop. Hey, ça se fait pas de parler aux gens pendant qu'ils pêchent. Ah ok, je savais pas. Mais le multi-ex, c'est pas activé. Non, il est pas activé. Hein? Ok, c'est bon. Ok. Désolé, j'ai un problème. Ce serait pas génial de rouler à fond les manettes sur la piste. Ah ouais, sûrement. Hein? Deux routes, l'une en... Oh, et l'autre en bas. Une pour les Pokémon et une pour les humains. Après tout, pourquoi pas? Bon, après... Alors, bienvenue à Lavandia. Hourra, c'est Lavandia! Ah ah ah, tu as l'air en forme, Timmy. Tu vas aller casser la croûte à la cantine Lavandia. On pourrait aussi aller acheter une bicyclette ou cycle. Pas d'oeuf, c'est bon pour la santé, tu sais. Non, avant tout, je vais aller voir la raid. Je 1. Hein? Alors, la reine. Ah, tout droit. Il suffit de traverser le jardin intérieur et on y est. Quoi? Timmy! Ok. Hop. Il y a un peu qui vole ici. Laisse plus. Ok. Alors... Mon Pokémon est là. Trouve ici. Peut-être aller voir pour le vélo. Non. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Une cliente des plus énergiques, on dirait. Moi, tu peux m'appeler Rodolphe. Je suis le propriétaire de ce magasin de vélo. Tes chaussures de sport sont vraiment dans un sale état. Tu viens de loin? Oui. Mm-hmm. Je veux dire que tu as fait toute la route depuis Bourg en vol. Mais c'est super loin. Tu iras beaucoup plus vite avec un de mes vélos. C'est quoi? Je vais t'en donner un. Une petite minute. J'ai oublié de préciser qu'il y a deux sortes de vélos. Le vélo course et le vélo cross. Comme son nom, elle indique le vélo course est pour... qui veulent filer comme le vent, et le vélo cross est plus lent mais offre les performances techniques inégalables. Comme je ne sais pas, je te laisse choisir. Alors lequel tu préfères? Si tu veux l'échanger contre l'autre type de bacon, tu n'as qu'à venir. Alors, hop. Hop.
enregistré. Là, mais on peut sauter. Au centre Pokémon. On va soigner nos Pokémon. On sera pas la reine. Est-ce qu'on sera pas la reine pour le prochain épisode? Oui, je crois qu'on sera la reine. Pokémon électrique, c'est bon. Allez, du coup, je vous laisse. C'est pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. Des bisous. Au revoir.